La Terre a de nouveau tremblé en Nouvelle-Zélande. Le séisme de magnitude 6,5 n'a causé que des dégâts matériels, notamment sur les bâtiments du Parlement de Wellington. Il est en fait survenu en mer. Son épicentre a été localisé à 57 km au sud de la capitale par 14 km de fond. Il était 17h09 heure locale ce dimanche, 7h09 à Bruxelles. J'étais sous le bar avec toutes les bouteilles de vin, entre autres. Je me suis précipitée dehors et j'ai vu tous ces gens hébétés en train de se dire « Mon Dieu !» C'était incroyable. Ça a secoué lentement au début et puis c'est devenu violent. J'ai pris tout ce que je pouvais avec moi et je suis sortie de l'immeuble. Les Néo-Zélandais gardent en mémoire le séisme de février 2011 qui avait détruit la deuxième ville du pays, Christchurch, faisant 185 morts. La Nouvelle-Zélande est située sur la ceinture de feu du Pacifique où les plaques continentales entrent fréquemment en collision.